Alors mon poulet, c'est pour répondre à ta petite vidéo sur le questionnement, est-ce qu'on n'atteindrait pas avec cette petite vidéo quelque chose de plus chaleureux? Alors je pense que oui, quelque part, hein, on est sur quelque chose d'un peu plus chaleureux, mais il manquera toujours le fait que bah, je peux pas te pincer la cuisse, je peux pas te faire un petit bisou, profiter de la petite, petite odeur de paix éventuelle. Puis profiter surtout de la spontanéité, hein, et du partage finalement dans le concret, parce que malgré tout, tu vois, je trouve ça sympa quelque part, quand je suis disponible, que je suis prêt à le faire, que je suis motivé. Mais là, je suis devant mon écran, je parle tout seul, et même si je sais qu'on va peut-être me répondre, on est quand même dans une certaine forme de réflexion, ce qui est souhaitable évidemment quelque part, mais on est moins dans le spontané. Et je pense que c'est quelque part une erreur, hein, comme tu le sais, parce que à trop intellectualiser, ben on finit par se couper un petit peu du réel, de l'acte, voilà, tout simplement. Donc pour répondre à ta question, oui, c'est peut-être déjà mieux, effectivement, qu'une page Twitter, une page Facebook habituelle. Mais malgré tout, on est face à un écran, on est face à la machine, et c'est pour moi une évidence finalement, peut-être pas appliquée, mais en termes d'idéologie, que finalement il faudrait pouvoir se passer de tout ça, et comme j'ai expliqué dans une vidéo, ma première vidéo, voilà, moi je cherche plutôt à habiter un terroir, et je crois pas qu'Internet en fasse vraiment partie, quoi, donc. Voilà, j'espère avoir répondu un peu à ta question, mais je pense vraiment que le contact immédiat, spontané, et concrètement, physiquement, pouvoir toucher les gens, sentir leur odeur et tout ce qui va avec, bah, voilà ça, en tout cas, on n'y a pas encore le droit avec Internet, donc pourquoi pas créer la nouvelle technologie pour pouvoir arriver à tout ça. Voilà les amis, hein, un sacré projet.